amis tireurs, amis collectionneurs, tous ceux qui suivent nos bons d'essai sur notre site Essai Armes, bonjour. À tous, je fais déjà cette petite vidéo pour souhaiter une bonne et heureuse année 2021. L'année 2020 n'a pas été terrible à cause de toutes les restrictions dues à la pandémie et notamment la fermeture des clubs de tir. Nous avons réussi malgré tout à continuer nos bons d'essai, à continuer à faire vivre bon gré mal gré notre site Essai Armes et également à éditer le magazine. Je ne sais pas ce que va nous réserver 2021, j'espère que ça ira mieux, mais ça n'est pas sûr du tout, donc nous sommes encore dans l'inconnu. Je voulais aussi par cette petite vidéo vous parler des problèmes que nous avons rencontrés sur YouTube. Nos vidéos sont toutes sur YouTube, parce que c'est une plateforme gratuite sur laquelle on a autant de place qu'on le désire. Il est impossible pour nous d'héberger sur notre site nos vidéos. Nous n'avons pas la place, ça nous coûterait beaucoup trop cher et il faudrait des ressources qui elles aussi demandent beaucoup de place de façon à pouvoir diffuser ces vidéos à tous ceux qui le demandent. Donc il est malheureusement impossible de se passer de YouTube. YouTube appartient à Google et Google a vraiment la mainmise sur toute cette information, sur toutes ces vidéos. On a été obligé, il y a, je crois ça doit faire à peu près 2 ans de cela, de réserver l'accès de nos vidéos à toutes les personnes majeures, de les interdire aux mineurs, à toutes les personnes ayant moins de 18 ans. Tous ceux qui ne l'ont pas fait et qui avaient des vidéos traitant des armes à feu ont vu leur compte YouTube, leurs vidéos supprimées. Nous, ce n'était pas très gênant de faire ça, on l'a fait. Le problème, c'est que là, tout récemment, YouTube a décidé de ne plus permettre l'accès à ces vidéos en dehors du site YouTube lui-même. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, sur le site SCARM, nous avions un certain nombre de vidéos dans des petites fenêtres et on pouvait visualiser dans cette fenêtre la vidéo. C'était sympathique et pratique, ça n'empêchait pas d'aller sur YouTube si on voulait la voir dans un plus grand écran, mais c'était quand même une possibilité bien pratique. YouTube a supprimé cette possibilité, ce qui fait maintenant que les vidéos sont des écrans noirs dans lesquels il y a marqué que c'est interdit aux moins de 18 ans, et il y a une petite ligne, cliquez sur la ligne pour aller visualiser la vidéo sur YouTube. Et quand vous allez visualiser la vidéo sur YouTube, si vous n'avez pas déjà un compte YouTube ou un compte Gmail, tout ça, ça appartient à Google, ou un compte Google, on vous demande de fournir la preuve que vous avez 18 ans, c'est-à-dire de fournir une pièce d'identité ou une carte bancaire, quelque chose qui prouve que vous avez 18 ans. Alors j'ai plusieurs internautes qui nous ont dit « moi, il n'est pas question que je donne ces renseignements-là, et donc c'est bien dommage, mais on ne pourra plus voir vos vidéos ». Bon, c'est effectivement très dommage. Je ne dis pas que c'est une bonne chose que YouTube et Google fassent ce genre de contrôle, mais malheureusement je ne vois pas tellement la possibilité d'y échapper. De toute façon, sur Internet, toutes vos données sont déjà accessibles à énormément de systèmes. Ils connaissent votre âge. C'est pas quelque chose, moi, c'est pas quelque chose que je tiens secret. Mais si vous ne voulez pas leur donner satisfaction et si vous ne voulez plus voir le vidéo, c'est malheureusement dommage, mais vous allez vous mettre un petit peu en dehors du système. Alors, en plus, ces vidéos, ces écrans noirs, c'est vraiment très moche, ça rend notre site beaucoup moins sympathique. J'ai trouvé un pis-aller, c'est-à-dire que à la place de cet écran noir, je vais prendre la photo d'une vidéo, prise dans la vidéo, je vais la mettre dans un petit cadre simulant une pellicule pour que ça soit plus sympa, je vais mettre ça sur le site et il suffit de cliquer n'importe où sur cette photo pour aller sur YouTube. Alors, c'est beaucoup plus agréable, c'est plus pratique. Le problème, c'est que je ne pourrai pas le faire pour toutes les vidéos. Je le ferai pour les vidéos que je vais mettre à partir de maintenant en ligne. Ça n'est pas quelque chose de très très long, mais
aller prendre cette photo, préparer cet ensemble, le mettre sur le site et puis mettre le lien pour aller sur YouTube, tout ça, ça prend quand même un certain temps. Peut-être 10 minutes, peut-être un quart d'heure. Je peux le faire systématiquement pour toutes les nouvelles vidéos, mais le faire pour les anciennes, on a plus de 400 vidéos sur notre site, c'est vraiment impossible. Matériellement, je ne peux pas faire ça, je n'ai pas le temps de le faire. Donc, on va avoir toutes les anciennes vidéos qui seront avec cet écran noir désagréable et vraiment très très laid. Malheureusement, je ne vois pas pour l'instant d'autres solutions, en espérant que YouTube ne nous joue pas encore des tours à l'avenir. Voilà, amis tireurs, amis collectionneurs, merci beaucoup pour votre fidélité sur notre site, merci pour votre attention et bon tir !